Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment avoir Pichu sur Pokémon Lune et Soleil. J'ai vu ça dans la commentaire comment avoir Evoli et donc je me suis dit bon, je vais en faire une parce que c'est vrai que le Pokémon est super rare à avoir et je suis même pas sûr que je vais tomber dessus sur la vidéo, donc je sais en tout cas qu'il est dans cette zone là. Alors du coup voilà, donc pour la zone où est-ce qu'il est, il faut se rendre à Mélé-Mélé à la route 2. Donc la route 2, c'est vraiment en bas, la toute première, c'est pas en haut la route 2, c'est vraiment en bas. Donc en gros, vous volez au cimetière d'Aketka, ou je sais pas comment ça se prononce. Vers le cimetière, quoi, à la route 2. Donc on s'y rend, comme ça je vais faire avec vous. Et je vous montrerai comment aller sur la GTS, pour ceux qui savent pas. Comme ça, vous pouvez avoir un Pikachu, un Pichu, ou pour avoir un Pichu vous pouvez faire un bébé Pikachu que vous pouvez même avoir la route 2 et par GTS. Et ça c'est quoi là, où est-ce qu'on atterrit, je sais pas du tout là où est-ce qu'on atterrit. Ah si, voilà. Donc vous allez à gauche en haut, vous descendez et hop, vous allez ici et vous voyez qu'il y a des herbes, donc vous marchez et normalement vous allez peut-être tomber sur Pichu ou Pikachu, mais ça dépendra parce qu'ils sont super rares à avoir. Donc je vais faire 2-3-4 recherches et on verra bien si je tombe dessus. Sinon je vous montre comment avoir Pichu ou Pikachu à la GTS, ou sinon je pense que c'est tout qu'on peut faire là dessus enfin là dessus comment avoir Pikachu ou Pichu. Après, il faut avoir de la patience et chercher dans cette zone. Je sais qu'il y est dans cette zone, mais après, il faut avoir de la patience, quoi. Ou sinon, le seul moyen, c'est de monter par GTS. C'est tout ce que je peux vous dire. Hop, on quitte, voilà. On va faire encore un 2-3. Hop, voilà. Est-ce qu'on est tombé dessus? Donc j'ai oublié de mettre le son, donc je vais en mettre, pourquoi pas. Comme vous pouvez le voir, je suis pas encore tombé dessus, hein, mais pourtant on peut l'avoir dans cette zone. Je suis déjà tombé sur un Pichu une fois, mais vraiment une fois. Hop. Hop, on va voir. Donc je vous remercie des commentaires et puis si je peux aider des personnes, ça fait toujours plaisir. Surtout que c'est pas évident, donc voilà. Alors, encore un Miaouss, hein, voilà. Donc c'est comme je vous dis, il faut juste avoir de la patience. Au pire, vous cherchez le Pokémon, vous regardez des vidéos ou un truc et puis vous cherchez en même temps. Après, s'il tombe pas, vraiment, ce que je vous dis, c'est la dernière solution qui vous reste, c'est de demander par GTS, donc que je vais vous montrer juste après. Donc juste après ça, vu qu'on n'est pas encore tombé dessus, donc je vais pas chercher une heure. C'est vraiment vous dire qu'on peut en avoir la route 2. Et par GTS, du coup je vais vous montrer ça. Donc, ça veut bien quitter, voilà. Donc vous faites X, vous allez à la place Festival, donc je vous montre à l'écran, donc je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, place Festival, vous cliquez. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive là, donc attendez, je replace bien, voilà. Donc ça, c'est flou comme d'habitude. Donc après ça, donc vous arrivez dans votre place. Si vous êtes jamais allé, vous allez avoir un petit début. Et après ça, normalement en bas de votre écran, c'est marqué échange, donc vous cliquez dessus et là c'est marqué échange link. Donc c'est pour échanger à côté machin. Vous avez échange miracle, donc ça vous changez un Pokémon dans le monde entier au hasard. Et juste à côté, vous avez la GTS, donc vous cliquez dessus. La GTS, ça consiste à quoi? En gros, ça consiste à rechercher le Pokémon que vous voulez. Et avoir, déjà essayer de l'avoir. Et voir quel Pokémon qui veulent en échange du Pokémon que vous voulez. Et vous pouvez aussi envoyer un Pokémon à vous contre le Pokémon que vous voulez. Donc, je sais pas, je vais prendre un exemple. Donc voilà, je suis connecté à la GTS, donc avec ma connexion internet, le temps que ça charge. Voilà, ça s'est mis.
Voilà, c'est en train de se faire. Donc, ah d'accord, donc je vous montre, hein, ça s'est fait. Et en plus, j'avais demandé un Pokémon à la GTS, du coup, je vais montrer ça avec vous. Voilà, donc j'avais demandé un Pokémon à la GTS, et apparemment, je l'ai reçu. Donc, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, on va voir. Peut-être un Pokémon de merde. Ah non, je l'avais pas en plus. Bah oui, c'était lui. Parce qu'il est très 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 bien. Donc, Mimiki, je crois, ça s'appelle. Ouais, voilà, Mimiki. Donc, voilà. Il est pas shiny en plus. Voilà. J'aurais cru avec sa couleur. Bref, voilà, donc c'est un petit exemple. En plus, en fait, vous demandez le Pokémon. Et quand normalement vous allez retourner dessus, si vous l'avez reçu, ça va être marqué. Tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous montrer qu'on peut rechercher les Pokémon qu'on veut. Voilà, donc je vous montre bien. Donc c'est marqué chercher un Pokémon et déposer un Pokémon. Donc voilà, donc je vais faire chercher. Donc vous pouvez être le sexe que vous voulez, donc mâle ou femelle. Et le niveau que vous voulez, de 1 à 10, de 31 à 40, n'importe, ou 91 ou plus, donc level 100. Donc on va chercher Pichu, vraiment la preuve. Est-ce que je l'ai? Voilà. Donc la preuve, Pichu, et puis je pense qu'on va rechercher comme ça. Hein. On recherche le caractère. Et vraiment ça va apparaître quoi. C'est vraiment comme XY en fait. Hein. À part pour ceux qui sont nouveaux, je peux comprendre. Voilà, donc la GTS. Tout simplement. Donc vous voyez, Pichu contre les Pokémon légendaires. Donc c'est un petit peu chaud. Voilà, contre, franchement. Ça aurait été moi, là j'aurais pu avoir un Pichu par un Lucario quoi, on peut en trouver. Voilà comment avoir, contre Métamorph. Contre Pikachu, donc on peut en avoir contre n'importe quel Pokémon. Et puis voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'on peut avoir Pichu, Pikachu, les autres Pokémon que vous voulez par GTS, ou sinon à la route 2. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez d'autres Pokémon que vous trouvez pas, que vous voulez que je fasse une vidéo pour aider les gens qui n'arrivent pas, puis en même temps pour vous aider. Donc dites les Pokémon que vous voudrez plutôt trouver et que vous trouvez pas vous. Puis voilà. Donc j'ai pas vraiment de preuves à vous montrer qu'on peut en avoir à la route 2, mais j'en ai croisé là-haut. Et j'ai même chassé un Pikachu pour tenter d'en avoir un shiny. Donc c'est pour vous dire qu'on peut. Et si vous voulez avoir un Pichu aussi, ce qui peut arriver vu que j'ai oublié de préciser, vous pouvez en avoir un à la chaîne SOS. Donc à un moment le Pichu il va apparaître, ou un Pikachu c'est l'inverse, ça dépendra. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai pu, j'espère que j'ai pu vous aider. Après il faut avoir de la patience et de chercher à la zone. Et si vous trouvez pas, cherchez la GTS. Franchement, vous pouvez trouver les Pokémon que vous voulez. Après, il suffit d'avoir les Pokémon qui vous demandent à échanger. Et après, vous aurez vos Pokémon, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à dire les Pokémon que vous voulez que je fasse. Pour faire un tuto, comment l'avoir, etc. Et je vous le ferai, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner en même temps. On est déjà à 154 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous et on se retrouve peut-être plus tard sur les combats en ligne sur Pokémon Lune et Soleil. Voilà. Ciao.